Salut tout le monde. Je vais essayer d'aller vite parce que juste après c'est l'apéro, je crois. J'ai la pression. Tout d'abord, merci Laetitia, Marie-Charlotte, Pierrick, Godefroy pour l'invitation. Toutes les grandes et les petites mains qui ont amené cet événement, merci à tous. À chaque fois que je viens à Rennes, j'y suis super bien reçu. Pour la première fois, j'ai de la voix et je peux parler, donc j'en profite. Voilà. Je suis Adrien Forestier, je suis game designer dans le studio Black Flag. Vous pouvez vous moquer de moi sur notre Twitter Studio Black Flag ou me demander des clés d'Orphanage avant de sur G2A sur adrien@studioblackflag.com. Voilà. Bravo. Ouais, bah merci. Merci, c'est cool. Le but de cette conférence, c'est pas du tout de vous dire ce qu'il faut faire ou de vous inculquer ma science, quoi que ce soit. En fait, je suis persuadé que une bonne partie d'entre vous ont au moins autant d'expérience que moi sur le sujet des outils qui nous permettent d'amener du contenu dans les jeux. Mais j'espère que cette conf va vous permettre de vous poser quelques questions qui permettront soit de demander de meilleurs outils, parce que vous en avez besoin en tant que créateur de contenu, soit aux développeurs de mieux comprendre ce dont vos collègues ont besoin pour s'exprimer créativement. Voilà. Allez, on va commencer. Orphanage, le jeu sur lequel je bosse actuellement, c'est un jeu dans lequel des orphelins sont livrés à eux-mêmes dans une guerre civile futuriste. Donc le gameplay est orienté autour de ça. Donc c'est un gameplay où on s'occupe de personnes, c'est une simulation de vie. Les orphelins sont les protagonistes. Et la guerre futuriste, c'est la situation. Voilà. Donc, comme ça, vous avez un aperçu du jeu. Ça ressemble à ça. Alors j'ai bien fait de choisir que des trucs sur fond noir, comme ça vous ne lisez rien, c'est nickel. On va faire comme si c'était super clair, voilà, merci, c'était cool. En gros, on a des orphelins qui ont des besoins, qui ont aussi des traits de caractère, qui, il y a des ressources là-haut, notamment la bouffe, le sommeil, des choses comme ça. On a des quêtes qui peuvent être plus ou moins critiques en temps limité. On n'a plus d'eau, des choses comme ça. On peut construire, aller explorer la ville, regarder le statut de chaque orphelin, s'ils sont amis entre eux, etc. Les stocks, faire de la recherche, du craft. On peut faire 50 milliards de trucs. Beaucoup trop, d'ailleurs. C'est pour ça que ça fait 4 ans que je bosse dessus et qu'il n'est toujours pas sorti. exactement, la conférence... Il est où, Thomas? Non, pas que je vais y faire des blagues sur la dépression, parce que c'est pas forcément un sujet très drôle. Mais en tout cas, que Thomas a parfaitement adressé tout à l'heure. Pour vous expliquer le système de jeu, c'est simple, c'est un jeu basé sur la survie, dans lequel on construit une base qui nous permet d'explorer plus loin pour amasser plus de ressources, et on continue, et on continue, et on continue. Le truc intéressant, c'est qu'entre chacune de ces étapes, il faut qu'il y ait du drama. Ce sont des enfants livrés à eux-mêmes dans la guerre. S'il n'y a pas du drama, c'est dommage, quoi. On loupe un peu un truc. Par exemple, je sais pas, un gosse qui fait un cauchemar et qui va réveiller les autres. Donc c'est un jeu qui est un peu inspiré de ce qu'on peut trouver dans les Rimworld, Dwarf Fortress, des jeux un peu comme ça, les Sims, des jeux de simulation de vie, etc. Le contexte dans lequel on fait Orphanage est un peu particulier, parce que on n'est que deux. Et en plus, on n'est même pas à temps plein, puisque pour financer la prod, on fait des prestats. Donc si vous recherchez un studio talentueux qui peut vous aider sur des productions Unity, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. On est parti sur un long cycle de développement, Prison Architect. La plupart des jeux de gestion, de toute façon, sont non seulement des jeux qui prennent du temps à créer, mais en plus qui vont être exploités pendant une longue durée. Donc on s'est dit qu'on était là pour le long terme et qu'il fallait qu'on ménage la monture pour aller loin. Donc on fait de l'endurance, on fait pas du sprint, c'est pas une game jam. Voilà, on veut intégrer la communauté et créer le jeu avec les joueurs pour avoir une sorte de troisième âme dans l'équipe. On a une logique un peu de game as a service, je déteste cette expression, c'est du free-to-play déguisé la plupart du temps, mais en gros l'idée c'est de rajouter du contenu régulièrement dans le jeu, à même une fois passé la sortie. Donc on a vraiment un intérêt à pouvoir produire beaucoup beaucoup de contenu pour renouveler l'expérience de jeu. Ça se traduit par 2 mises à jour par mois. En gros, moi, en tant que game designer, je m'occupe de
l'équilibrage et du contenu, donc rajouter de nouvelles recettes de cuisine, de nouvelles quêtes, des choses comme ça. Là où mon collègue va être plutôt sur rajouter des fonctionnalités et les débugger. Donc il y a une mise à jour pour lui, une mise à jour pour moi. On essaie d'arranger ça, une au début du mois, une au milieu du mois. Et ça nous permet d'avancer à peu près régulièrement sur le projet. À peu près. La direction décline toute responsabilité. Donc, pour y arriver, en étant que deux à faire un jeu aussi, aussi compliqué, alors on n'y est pas encore arrivé d'ailleurs, mais on est en train d'y arriver, on a dû créer plein d'outils, et on s'est créé une sorte de gameplay de notre process de création d'outils. La première chose, c'est pourquoi on a besoin d'outils, c'est pour créer du contenu. On a besoin de créer du contenu parce que il y a besoin de plein de ressources, plein de crafts, plein de formules, plein de choses à débloquer, plein de lieux à explorer, etc. Et il faut que ce contenu il soit facile à créer et qu'il y ait en gros le moins d'étapes entre le moment où il y a une idée et son intégration dans le jeu. Voilà. Le deuxième truc, c'est l'autonomie. Parce que si je suis tout le temps en train d'aller voir mon collègue, en train de dire « Ah ouais, j'ai eu cette super idée, tu voudrais pas m'aider à développer ou intégrer ce truc-là » Je vais l'embêter. Non, en fait, il faut le protéger de moi et de mes idées, il faut qu'il puisse coder tranquillou, et donc que je sois dans mon coin à faire mes petits machins, à rajouter des trucs débiles dans le jeu. A l'inverse, si j'ai tout le temps besoin de lui, je peux pas avancer vite non plus. Donc voilà, on a besoin d'outils pour être chacun autonome. Mais principalement, c'est pour protéger le dev. La troisième étape, c'est itérer. Parce que c'est bien de faire un jeu, mais c'est mieux de pouvoir l'améliorer. Quand on reçoit des infos de notre communauté qui nous dit ça c'est trop facile, etc. Pouvoir facilement changer les valeurs, tester différents paradigmes de game design en se disant tiens si on rajoute plein de ressources ou si on en met très peu, il faut pouvoir tester tout ça en étant encore une fois autonome. Et ça, de toute façon on n'a pas le choix, hein. On est obligé de recommencer les trucs 50 fois si on veut bien faire. En tout cas moi j'ai jamais réussi à faire bien du premier coup. Voilà. On a besoin dans le contenu d'horizontalité et de verticalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que je veux pouvoir proposer différents lits de niveau 1, mais je veux pouvoir aussi créer des lits de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4, qui seraient de meilleure qualité, un peu comme dans les Sims, où on peut avoir le choix entre plusieurs lits pourris et puis ensuite proposer des améliorations. Donc je veux que mes outils ils me permettent non seulement de rajouter plus d'options au même niveau d'étape du jeu, mais aussi permettre d'aller plus loin vers le late game, sans avoir besoin de développer de nouvelles fonctionnalités, sans que mon collègue ait besoin de recoder 50 milliards de trucs. Donc les outils doivent permettre ça, donc l'horizontalité et la verticalité dans la création du contenu. Un dernier truc, je ne sais même pas si c'est le dernier truc d'ailleurs, mais c'est un des points les plus importants, c'est la qualité de vie. Comme j'ai dit, on fait une course d'endurance, et si les outils sont cool à utiliser, le jeu il est cool à faire. Et ça fait 3 ans vraiment qu'on a commencé le dev. Je suis toujours content de retourner dessus et de rajouter du contenu. Et quand j'ai une idée, je sais pas, en dormant ou n'importe quoi, je me lève et je vais pouvoir ouvrir mes outils, rajouter un truc et c'est cool. Et j'ai toujours envie de revenir vers le jeu, il n'y a pas de lassitude. Notamment parce que on a créé des outils et des processus qui font que c'est assez transparent. Voilà. Et ça c'est vraiment un truc super important, quoi. Pensez au bonheur, c'est le bonheur ajouté sur la création du jeu, quoi. D'avoir des outils qui font qu'on s'éclate, parce qu'en fait nous on aime créer des jeux, donc si on peut en plus s'éclater en le faisant, c'est cool, quoi. Voilà. Un dernier truc, laisser la main aux joueurs et leur permettre d'utiliser les outils pour eux-mêmes créer à leur tour du contenu, donc du modding, des trucs comme ça, user generated content comme on dit. Donc voilà, ça c'est les raisons pour lesquelles on crée nos outils. Je vais vous parler de quelques histoires d'horreur que j'ai pu vivre dans certaines prods, des trucs qui me paraissent dingues, alors peut-être que c'était parce que c'était il y a trop longtemps. Les premiers jeux que j'ai fait c'était sur Amstrad. Ça fait bizarre avec la conf d'avant. un des pires trucs que j'ai pu avoir, c'est l'impossibilité d'automatiser quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a rendu dingue. J'ai bossé sur un MMO où toutes les données étaient dans Eclipse, donc c'est une sorte d'éditeur de code, ça ressemble à des pages
HTML. Et en gros, moi, j'ai mes tableaux avec toutes les valeurs des items. Donc, cette épée, elle fait 3 en attaque, elle fait plus 1 en rapidité, etc. Et je devais les recopier à la main dans des champs, sur des pages. Chaque item avait sa page. Et je devais faire ça, genre, sur peut-être 2500 items. C'était génial. J'ai adoré ma vie. C'était super. Voilà. Bien entendu, quand j'ai demandé, on pourrait peut-être faire un parseur qui passerait de Excel directement dans... Non, on ne peut pas. On n'a pas de temps. Les devs sont occupés, machin. OK. Voilà. Un autre truc qui est génial, c'est on ne peut pas revenir en arrière. C'est nickel. Ou encore mieux, là, en fait, le serveur de test, il est down, donc tu bosses sur le serveur de prod. Je fais OK. Alors là, si vous voulez que vos game designers ils aient peur de faire la moindre modification, toute modification est définitive et directement envoyée au joueur. Nickel. Nickel. Là, ça va bien se passer. Non, mais c'est vrai. Hein. Enfin, on est sur des processus itératifs, on va tester 50 milliards de trucs, il faut qu'on puisse faire CTRL-Z dans les tools. Pas de fork, voilà, il n'y a pas de serveur de test, vous allez sur le serveur principal, mais aussi l'impossibilité, quand il y a un fork, de copier les données du fork, enfin de la branche de test sur la branche de production. Parce qu'il peut y avoir des erreurs, donc tu vas tout recopier à la main. Donc j'ai copié 50 milliards de données dans Eclipse, et maintenant tu me demandes de les recopier dans Eclipse. Oh. Je peux péter Thomas. Besoin d'un dev pour bosser. Super. Alors là, j'aimerais rajouter plus 1 sur la valeur de cette épée. Voilà, comment se faire détester par ses devs, et comment détester sa vie. Si ces outils ils sont là pour qu'on soit autonome, quoi. S'il y a besoin de quelqu'un pour les utiliser, bon, bah, je sais pas, je vais faire des jeux de société. Les guides de 20 pages, ça c'est génial aussi. Si vous pouvez intégrer vos guides directement à l'outil, faire des infobulles quand on passe sur un champ pour se rappeler comment ça fonctionne, bah, c'est cool, parce que à chaque fois que je veux créer un truc, si je dois retrouver une info parmi 20 pages, c'est comme si j'avais un GDD pourri écrit en ASCII, personne ne lirait, à part peut-être Douglas. mais voilà, si on envoyait des GDD en ASCII, personne ne les lirait. C'est pareil, un tutoriel écrit par un dev, des fois ça peut être quelque chose d'assez étrange. Voilà, donc pensez à faire une documentation lisible et de préférence intégrez-la directement aux outils pour ne pas avoir le logiciel ouvert, plus un fichier bloc-notes TXT. Voilà. Faire que les outils soient non maintenus, ça c'est génial, parce que, OK les gars, faut que je fasse les quêtes du troisième acte. Ah oui, mais en fait, on a changé le système de quêtes et maintenant l'outil ne fonctionne plus. Alors comment je fais pour rajouter des quêtes? Je sais pas. Nickel. Vos outils, ils doivent être maintenables. Et il faut qu'ils tiennent la distance. Voilà. C'est bête, mais c'est aussi un truc qui s'anticipe. Alors, c'est un peu du dev bashing hein, que je fais, mais vous inquiétez pas, il y en aura pour les autres. Le debug qui est intégré, donc, quand je bossais sur Eclipse, je devais aussi intégrer les descriptions des items. Et donc, je recopiais les descriptions dans des sortes de pages HTML, quoi, dans du code HTML. Sauf que ça prenait pas les accents, les points virgules, les points d'exclamation, etc. Il fallait faire dièse... 25, 48 points virgule par exemple pour les. Donc je faisais du gros CTRL-H dans mes fichiers pour remplacer par les codes tous les machins, mais des fois j'oubliais un caractère, j'écrivais pas correctement parce que je suis pas un dev, je suis un game designer, je suis incapable de faire deux fois la même chose comme un robot. Il y a eu beaucoup de choses sur la bienveillance, mais il faut quand même maintenir cette guerre entre les devs et les game designers, hein, c'est comme les elfes et les nains, tout le monde aime ça, hein. Team elf. Team Mega Drive. Non mais si on tentait un build sur le jeu, le build il crachait parce que j'avais oublié un symbole dans cet outil en recopiant un caractère. Et ça c'est dingue parce que la page aurait très bien pu avoir un petit truc qui me dise attention, il y a un symbole que je reconnais pas. Non. Alors c'est seulement si un dev buildait parce que j'avais pas le droit de builder. Donc je pouvais même pas vérifier si j'avais bien fait le boulot ou pas. Voilà, ça c'était assez ouf. Et les temps de chargement. Pour ceux qui ont bossé sur les vieilles versions d'Unreal, en fait, il n'y avait pas de bouton play comme dans Unity. Il fallait builder le jeu. Et quand on était sur des gros projets, des fois, il fallait attendre 10 heures
pour pouvoir tester un truc. Donc on se faisait une liste de toutes les choses que l'on voulait tester. Si c'était un truc juste au tout début du moment où ça chargeait, si on loupait la frame, on était reparti pour 8 heures d'attente. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, j'attends que ça rende. Voilà, on a l'impression d'être des graphistes. Non mais voilà. Bon bref, les temps de chargement, c'est génial. Non mais en fait, bon, en dehors de toutes les blagues, essayez d'automatiser le plus possible les actions, pouvoir revenir en arrière, avoir des versions de test que l'on peut charger, recharger, etc. C'est vraiment super important. Et essayez d'être le plus autonome, les guides intégrés à l'outil. Pensez à bien à maintenir les devs quand vous les outils. Maintenir les devs, oh putain. Qui deviennent autonomes, non. Terminator, Skynet. Putain. Voilà, bref. Donc ouais. Intégrer le temps de maintenance des outils quand on pense aux devs des features et des améliorations, etc. Toujours une validation des données si possible. Et bon, maintenant on n'a plus trop ce problème, mais il y avait vraiment des trucs qui étaient très très chiants à tester il y a bien longtemps. Ok. Alors, d'où ma conclusion là-dessus, c'est pas ma conclusion sur la conférence. C'est qu'en fait, notre capacité à permettre aux artistes de s'exprimer, elle en est encore à l'antiquité. En gros, il y a tellement d'étapes et de contrariétés entre une idée et son exécution qu'on se passe d'une bonne partie de l'intelligence créative qu'il y a dans nos équipes, tout simplement parce que c'est trop compliqué à mettre en œuvre, trop de souffrance, etc. Et ça, d'où ça vient ? Ben, ça vient du fait que, en gros, la vie, c'est un peu comme une partie de League of Legends, il n'y a personne qui veut jouer support. Et en gros, on pense que notre temps est plus précieux que celui des collègues. Donc un dev ne va pas penser à passer du temps avec ses collègues en disant « Mais là, tu vas faire un truc en boucle depuis tout à l'heure, renouer des fichiers. Tu sais que je peux te faire un petit script pour ça, pour rajouter, je sais pas, des préfixes au début des choses. » Et aussi, nous, créateurs de contenu, on ne va pas penser qu'il y a des choses qui sont automatisables. Voilà. Donc en fait, c'est juste qu'il faut plus parler ensemble, en fait, hein, et essayer de se dire que si on s'entraide, on va probablement faire de meilleurs jeux. En tout cas, on sera plus heureux en les faisant. Voilà. Non, mais il y a aussi le problème, c'est que, en gros, très souvent, quand des devs vont faire un tool pour des designers, ils vont s'imaginer qu'il est à 100% fini, alors que nous, en tant que designer, il manque 2-3 petits trucs qui font qu'en termes de feeling d'utilisation, c'est genre fait à 50%. Et il y a aussi des divas dans les studios qui vont considérer qu'un tool qui est fait à 95%, bah 95% c'est plus proche de 0 que de 100 pour moi. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais si c'est pas parfait, c'est nul. Voilà. Et ça, c'est aussi un problème. Au moins, il faut arrêter de demander des outils parfaits, putain de millennials. Ok, bref. Donc, on a créé une petite méthode pour créer nos outils, et puis ensuite on va voir directement ces outils que je vous fais un peu marine, puis ils sont tout pourraves. Mais bref, le premier truc, c'est observer et dialoguer. Ça paraît complètement évident, mais il faut faire du time tracking en disant bah tiens, on fait une version de base d'un outil, je sais pas quoi, de level design. Et puis on va voir combien de temps le designer met à faire les actions. Et puis à partir de là, on va voir effectivement qu'il y a beaucoup de temps qui est perdu ou des actions qui sont faites en double. Enfin, c'est comme du playtest en fait. Ça se playtest les outils. Et ensuite, il faut qu'il y ait un dialogue pour essayer de voir ce qu'on peut améliorer, là où ça ne marche pas, quoi. Le problème, c'est que la plupart des artistes et designers ne savent pas ce qui est faisable. Parce que pour nous, la programmation, ça relève un peu du domaine magique. Et il y a des choses qui peuvent nous sembler super simples, qui sont ultra compliquées. Et des choses qui nous paraissent ultra compliquées, qu'on n'osera même pas demander, qui sont en fait simples. Et en fait, du coup, il ne faut pas laisser les designers et artistes designer eux-mêmes leurs outils. Parce qu'en fait, ils ne savent pas ce qui est faisable. Il faut que ce soit forcément un travail qui se fasse en binôme. Voilà, ça ne peut pas fonctionner. Si c'est les designers qui commandent, ça ne peut pas fonctionner. Si c'est les devs qui commandent, ça doit être un petit peu communiste. Ou pirate. Voilà. Un autre truc, c'est que très souvent, on essaie de tout mettre, les outils, dans le moteur de jeu.
Mais en fait, c'est très bien de sortir du moteur de jeu. Si en graphiste tu n'utilises que Photoshop, il y a probablement plein de choses que l'on peut commander depuis Photoshop. Par exemple, en nommant des calques, ça peut peut-être directement les catégoriser en GameObject et rajouter des composants, etc. quand on importe le PSD dans Unity. Ou faire que beaucoup d'informations puissent être directement pilotées depuis une table Excel ou je sais pas quoi. Donc, directement essayer d'intégrer nos outils aux outils qu'utilisent les collègues, voire réutiliser leurs interfaces, leurs raccourcis clavier, etc. pour qu'ils restent dans les habitudes qu'ils ont et qu'ils puissent produire facilement. Voilà. Faire des tools jam, ça c'est cool. C'est un moment où on dit, allez hop, cette semaine, on crée des outils, et voilà, il y a tout le monde qui est ensemble. L'idée c'est pas de cruncher, hein, mais c'est de se dire, on bloque du temps pour créer des outils ensemble. C'est un peu la récré, et en même temps, tout le monde pense ensemble. Donc voilà, c'est cool de faire des tools jam. Nous on s'en fait de temps en temps, on réfléchit à tout ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait faire, on teste des machins. Et ce qui est cool avec une jam, c'est que c'est un début et une fin. Parce que si on ne met pas une fin au temps de développement des outils, on finit par se perdre dedans et à faire plus que ça. Et notre boulot, c'est pas de faire des outils, c'est de faire des jeux. Donc voilà, une tools jam, c'est cool, c'est un début, ça a une fin. Et c'est un temps où toute l'équipe va essayer ensemble de créer ça. Ouais. On s'est pris 2 jours pour réfléchir à une sorte de Steven Spielberg artificiel qui va diriger l'ambiance du jeu. Alors on n'a pas encore développé celui-là, donc je n'avais pas prévu d'en parler. Mais en gros, il y a 4 ambiances principales dans le jeu. Est-ce qu'on est plutôt dans la tendresse ou dans la tension? Est-ce qu'on est plutôt dans la tristesse ou dans le dark? Et en gros, selon ce qui se passe dans le jeu, le réalisateur il sait où on est, il adapte la musique, la lumière, la tonalité des dialogues random qui sont lancés entre les personnages. Voilà. Et donc ça, on a réfléchi beaucoup à tout ce qu'on pourrait faire ou pas faire sur ce tool. J'aurais bien aimé le montrer, mais on est un peu à la bourre. De rien. L'étape finale, c'est vraiment pour les designers de se dire, mais de quoi ai-je besoin? De quoi ai-je vraiment besoin? C'est pas un bébé ou une diva qui va dire, non, mais là, j'en ai marre, je veux pas travailler, les outils sont pourris, j'arrête. Le truc, c'est, voilà, oh, putain, c'est chiant, qu'est-ce qui est chiant? Ben là, pour mettre les valeurs des épées, je dois cliquer sur le préfab, faire dérouler tous les composants dans Unity, trouver le bon composant, changer la valeur, et là, je peux appuyer sur play et je teste. Ok, mais qu'est-ce qui est chiant là-dedans? Ben en fait, tu vois, la valeur, je dois la recopier depuis, enfin, tu vois, je l'ai rangée dans Excel, et donc je dois la mettre dans Unity. Ah ok, donc en fait le problème c'est que tu veux pas recopier. Ouais, c'est ça, ouais. En gros, c'est la règle des 6 pourquoi. Dès qu'il y a un problème, on pose 6 fois la question pourquoi, jusqu'à trouver la solution. Et en fait, le problème que l'on a est peut-être sous-jacent dans notre problème, etc. Donc voilà, c'est la règle des 6 pourquoi, pour essayer vraiment d'aller au loin à la base du problème, et qu'en fait le mec il veut pas recopier dans les composants ses data. Donc est-ce que ça peut être automatisable? Spoiler, oui. Hop. Ouais, alors, par exemple, il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est assez important, mais quand on se base sur les outils que les designers et artistes utilisent, par exemple, j'adore Excel. C'est probablement le truc le moins rock'n'roll à propos de moi, j'adore Excel, mais si je pouvais juste utiliser Excel, je le ferais. Je me suis amusé il n'y a pas longtemps à faire une sorte de roguelike dans Excel, où ça génère des maps aléatoires, et puis selon les valeurs que l'on met dans des cases, ben, le personnage peut avancer. Voilà. C'est rigolo, j'aime bien Excel, voilà. Faites-moi un procès. Bien sûr qu'il faut pirater pour pas filer du fric à Microsoft. Il manquerait plus que ça. En plus, Google Sheets, c'est vachement bien. Parce qu'on peut bosser à plusieurs en même temps, ce qui est une autre chose très très importante. Pas dans le cas de Black Flag, puisque je suis le seul designer. Mais les Google Docs, c'est super cool, on peut travailler à plusieurs sur la même page. Ça, c'est vraiment chouette. Et il n'y a pas beaucoup d'outils de game design qui permettent de bosser en même temps sur les mêmes données. Donc voilà quelques tools pour rendre jaloux les level designers. C'est des trucs qui ont bien fait le tour de Twitter, de Reddit, etc. Mais je les montre au cas où. Donc celui-ci, il a été fait par Willem Nylund de Landfall Games. C'est un petit tool pour faire du level design. Regardez les pierres, comment elles rentrent dans le sol, c'est trop cool. Voilà, c'est une énorme brush, on choisit ce qu'on veut peindre, et bim,
Ça c'est rigolo. C'est quand même mieux que de poser les rochers un par un et ensuite les tourner et ensuite les intégrer un peu dans le sol en les faisant descendre. Et pof pof pof, on balance nos trucs. Juste ça, on a envie de faire du level design toute la journée, quoi. Vous allez voir, il y a un champignon qui va apparaître, c'est ouf. Pof, trop bien. J'ai regardé trop de fois ce gif à mon goût. Mais voilà, ça c'est le genre d'outils qui sont cool. Alors à mon avis, c'est un peu too much et pas tout à fait utilisable parce qu'on a aussi besoin de faire des trucs un peu spécifiques. Mais c'est quand même sympa, quoi. Un peu dans le même genre, un technical artist sur Twitter, vous le retrouverez en underscore Staggart underscore Staggart Creations. Il fait des trucs très cool. Hop, voilà. Trop bien. C'est juste un line renderer avec un ciné appliqué dessus, quoi. Ça a trop de feeling, c'est trop cool. Voilà, c'est vachement pratique. Ça, c'est le genre de truc pour un level designer. Ça simplifie tellement la vie. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont mis des câbles. Mais il y a eu une conférence ce matin où quelqu'un disait qu'il adorait les câbles. Ben, je peux vous assurer qu'en tant que level designer, j'adore voir des câbles dans les jeux, mais les placer, c'est une horreur. Sauf quand on a des super outils comme ça. J'ai envie de le remettre pendant tout le reste de la conférence. Donc voilà, les outils d'Orphanage. Ouais, exactement, ça va pouvoir bitcher à mort. Alors, pêle-mêle, on a des outils de game design, on a des outils de narrative design, des outils de level design, des outils d'interface, des outils d'introduction, voilà, en gros, de 3D pour intégrer notamment des personnages, des outils de debug analytics, on a des outils de dev aussi, et des outils communautaires. Je vais essayer de parler que des outils les plus intéressants, je pense, les plus pertinents dans le cadre de cette conférence, parce que sinon on va jamais prendre l'apéro. Allez hop, c'est parti. Le tableau Excel, c'est magnifique. Intégrer des Google Docs dans Unity, il y a plein de trucs gratos qu'on peut trouver sur GitHub qui le feront, c'est 3 heures max d'implémentation pour que depuis les Google Docs, vous puissiez changer les valeurs de tous vos préfabs et que automatiquement, genre, il y a un bouton ou un raccourci clavier dans Unity et ça télécharge immédiatement toutes les données. Voilà, ça c'est trop trop cool. 3 heures de boulot pour un dev, la vie qui change pour un designer. Nous, ce Google Doc, on va y trouver des bases de données de traits, de caractères, de ressources. Alors, les histoires, on les a pas encore faites, de recettes de craft, d'objets à construire, d'upgrades. Et en fait, j'écris tous les noms là-dedans. Et ensuite, ils sont appelés. Par exemple, si je veux créer des backgrounds d'orphelins, ça va leur générer un certain set de traits de caractère. Et j'ai juste à cliquer sur un bouton et je peux choisir dans la base de données qu'il y avait précédemment. Le truc qui est cool, c'est vraiment tout bête, hein, c'est fait en 30 minutes ça. C'est que je n'écris rien, donc je ne peux pas faire d'erreur de frappe, il n'y a pas d'erreur de saisie. Voilà. Je peux écrire si je veux, mais je ne peux pas faire entrer si le texte n'est pas parfaitement égal à un truc là. Voilà, c'est tout simple, mais ça me permet, si j'ai une idée de, je sais pas, un enfant qui est recherché par la police par exemple, eh bien je vais pouvoir lui mettre tous les traits qui pourraient coller, et hop, ça y est, j'ai rajouté un trait dans le jeu, et je peux faire un patch en disant « Wow, on a rajouté un nouveau trait de personnage, c'est ouf !» Et voilà, et ça m'a pris, allez, 5 minutes. C'est trop facile de faire des jeux vidéo en fait. Qu'est-ce qui m'a pris 4 ans pour pas le sortir enfin. Non, un truc qui est très important, il y a beaucoup de gens qui font des tools directement dans Unity pour pouvoir créer du contenu. Le problème qu'il y a, c'est qu'on peut pas équilibrer si on peut pas comparer. Et c'est ça qui est cool avec tout ce qui est Excel, etc. C'est que je peux créer des filtres en cliquant sur les espèces de flèches là-haut et puis voir tous les objets qui demandent du bois. Et les équilibrer comme ça, et les comparer, et les avoir alignés les uns sur les autres. Alors que s'ils sont sur des pages séparées, qui sont super belles et faciles à utiliser, bah, je ne peux pas comparer et équilibrer le jeu. Donc voilà, moi j'adore Excel, et je suis très content de pouvoir, de pouvoir bosser dessus. On remarquera d'ailleurs que donc ça c'est pour créer des objets que l'on peut construire dans le jeu, comme des lits, des choses comme ça. Eh bien, je peux choisir les actions que cet objet permet, donc ça va chercher directement dans notre base de données, le temps que prennent les actions, les ressources nécessaires ensuite. Voilà. Et hop,
j'ai créé un nouvel objet, j'ai juste besoin d'avoir un préfab vide qui va avoir le nom qui est là, que j'ai à copier-coller, et hop, j'ai généré un objet. Si les animations existent dans le jeu, l'orphelin fera directement les animations et tout. Il faudrait juste que je rajoute un mesh 3D et s'il y a besoin que ce mesh soit animé. Donc voilà, ça permet vraiment de rajouter beaucoup beaucoup de contenu facilement. Les Google Docs, c'est cool. Un dernier petit truc, c'est quand on fait un commentaire sur une case, on le voit là-haut, si on passe la souris dessus, ça met des infobulles. Et ça permet donc d'avoir une sorte de documentation intégrée pour ne pas avoir de tuto. C'est pareil, c'est fait en 5 secondes et ça permet d'avoir une documentation et de rendre les créateurs de contenu autonomes. Et comme ça, on peut savoir les action types, ce que c'est. Voilà. Et si je m'en tirais, c'est pour Maxime, mon collègue, j'ai pas le droit de l'utiliser. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un truc tout bête, c'est que les commentaires dans les Google Docs, vous vous en servez comme infobulle pour mettre de la doc. Allez hop, un éditeur de quête, c'est pas grave si c'est moche, il est beaucoup moins beau que le superbe éditeur d'Alfrequencies, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai commencé à faire des jeux sur Amstrad, j'étais très très petit, et en fait je m'en fous si les outils sont moches, il faut juste que ce soit fonctionnel, et donc ça c'est notre éditeur de quête, qui en fait j'ai juste à mettre l'ID d'une quête, et hop, ça va automatiquement récupérer les infos que j'avais écrites dans mon Google Docs, et j'ai plus qu'à les relier les unes aux autres, et ça me permet de, voilà, de générer des trames, et de faire avancer l'histoire. Voilà. J'ai pas besoin de beaucoup plus compliqué que ça, je peux cocher pour ajouter des conditions d'échec, qui vont se récupérer directement depuis les Google Docs. Et comme ça, je peux générer plein de quêtes. Voilà. Un truc qui est cool aussi, qu'on voit pas forcément, c'est tout en haut, j'ai des boutons pour sauvegarder, et pour charger d'autres graphes, comme ça j'ai pas un graphe immense pour tout le jeu, enfin, ça devient très très vite démentiel à gérer les éditeurs nodaux quand on fait des jeux avec beaucoup beaucoup de narration. Donc là je peux faire des trucs par chapitre, par type de quête, par je sais pas, par acte du jeu, et je peux aussi faire des versions de test pour tester des trucs super hardcore, ou au contraire faire des choses des choses un peu plus soft. Voilà. Donc j'ai aussi une sorte de versioning intégré dans mon outil de quête, voilà, pour éviter d'avoir à péter la quête de base du jeu si j'avais qu'un seul fichier. Hop. Il y a aussi un intérêt sur la vue nodale, c'est pas parce que c'est juste cool d'avoir un éditeur nodal, c'est vachement plus pratique de comprendre la narration quand c'est comme ça. C'est quelque chose que Excel ne sait pas faire, mais il faut que je mette sur Airtable, qui a l'air d'être un tableau Excel avec derrière un éditeur nodal. Là, je crois qu'on atteint la singularité du game design. Alors, je vais faire la pub pour Fungus. Pour moi, c'est le meilleur outil narratif qui existe aujourd'hui. Ça fait tout. C'est gratos. C'est parfaitement intégré dans Unity. Ça fait la lock. Ça permet de générer un peu de mécanique de jeu. On ne voit jamais une seule ligne de code. Et on peut faire des choses très très complexes. Donc ça, par exemple, c'était la première version de notre système d'expédition, où en gros on sort de l'orphelinat, ça c'est quand on rentre, et il va se passer plein d'événements avec des tests de compétences sur qu'est-ce qui se passe si on rate, si on réussit un test sur une compétence d'un orphelin, si on n'a pas de chance, voilà, il y a plein de variations et ça permet de générer plein de choses. C'est très très cool, c'est facile à utiliser, c'est gratos, et nous on l'a un peu modifié pour rajouter encore plus de variations. Alors là c'est con, je n'ai pas mis dans le screen. Mais en gros, si je mets du texte entre crochets, en fait, chaque élément séparé par un slash va apparaître en random. Donc par exemple, si je veux dire que l'orphelin a froid quand il rentre dans une pièce, je vais pouvoir mettre entre crochets avec des slashes. J'ai froid, oh, je me pèle, enfin, ça caille ici. Grrr. Et en fait, à chaque fois que je vais dire j'ai froid, plutôt qu'il dise j'ai froid et qu'à chaque fois qu'il rentre dans une pièce froide, je vais dire j'ai froid, il va juste choisir un truc en random. Ça permet de rajouter des combinaisons sans exploser avec plein de trucs, quoi, en maîtrisant l'explosion combinatoire. Donc voilà, Fungus, pour moi c'est le meilleur tool narratif actuel. Voilà, je pense les avoir testés à peu près tous, de Chatmapper qui est utilisé par exemple pour Life is Strange, des Ink, Twine, etc. Fungus, voilà. Ah oui, on a aussi un truc cool sur Fungus, c'est qu'on l'a modifié pour qu'on puisse aller chercher n'importe quelle variable dans le jeu pour faire des tests. Est-ce que l'orphelin est heureux à ce moment-là? Ça va aider à recruter, par exemple. Si un orphelin arrive, qu'il est super heureux, il trouve un autre gosse
perdu dans la ville, et ben ça va vachement aider à sa tentative de G2D pour recruter. On a aussi des outils de level design. Donc ça prend à peu près un jour. Je vais vous montrer une vidéo de la scène que j'ai pu faire en deux jours et demi from scratch avec ça. Donc l'idée de ce Prefab Painter, c'est une sorte de brush comme sur Photoshop dans laquelle je mets différents préfabs et je leur mets un poids et je mets en gros une densité et la largeur de la brosse et ensuite j'ai plus qu'à peindre sur le terrain. C'est ce qui me permet de mettre tous ces journaux par terre, ce qui aurait été très très chiant si je l'avais fait à la main un par un. Et grâce à ça, en 10 minutes, j'avais pu faire tout... Oups, j'ai pas une vidéo à lire moi quelque part. Voilà. Donc voilà, ça c'est une scène faite en 2 jours et demi. Notamment parce que j'ai pu mettre plein de préfab, des petits trucs comme ça, des poubelles, etc. Paf, 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 je les pose. Et avec la molette, je change leur orientation. Donc ça, c'était pour faire le premier trailer du jeu. Et voilà. Donc ouais, on voit, il y a plein d'assets posés par terre. Ça, c'était avec cette petite brosse. On s'est inspiré de l'Instance Painter que l'on peut retrouver dans le 3D Game Kit de Unity. Et pour faire tout ce qui était barricade, etc., qu'on voit dans la vidéo, on a fait un générateur de barricade. Voilà. Il est super simple à utiliser. Je me le suis fait tout seul comme un grand en Playmaker. Voilà. En gros, je choisis mes préfabs, je choisis combien je veux en mettre, le pourcentage de chances qu'ils apparaissent à chaque fois, et ensuite je fais la taille de mon limiteur, et hop, ça fait tomber plein d'objets, et j'ai mon générateur de barricades. C'est trop bien parce que une ville qui est en proie à une révolte, et j'ai besoin d'avoir plein de barricades, et s'il faut poser chaque truc à la main, c'est vraiment la galère pour avoir un truc très très organique, alors qu'avoir un petit truc physique dans lequel je mets 3 objets, et hop, ça génère une barricade, c'est cool. En plus, c'est quand même la détente. Quand on a un peu la gueule de bois au boulot, on fait des barricades. Voilà. Heureusement que c'est pas filmé. Hein. Voilà. J'ai presque envie de le remettre, mais non. Il y a apéro. Un autre truc cool qu'on a fait, c'est un importeur de PSD pour tout ce qui est interface. J'aime bien bosser depuis Photoshop. Alors, c'est pas le meilleur outil pour faire de l'interface. Mais ça, par exemple, c'est une carte de la ville. J'ai juste à mettre... voilà le nom des objets. Si je mets GO, ça veut dire que c'est un empty game object qui va servir de répertoire dans la hiérarchie de Unity. Et voilà, j'ai deux trois petits codes à mettre dans les répertoires. Mais je fais ce fichier, je sauvegarde le PSD, je le mets dans un répertoire Unity. Et la magie du développement fait que, bam, ça va créer immédiatement dans Unity un canevas avec tous les bâtiments qui vont devenir explorables ou pas. Si je passe la souris sur un, ça va automatiquement aller chercher en random sur mes Google Docs. Est-ce que c'est un hôpital, des appartements, un restaurant, des trucs comme ça. Et on peut générer des villes super rapidement. Le truc qui est cool avec cet outil, c'est qu'on peut le mettre à disposition de la communauté pour que chacun puisse faire un PSD du plan de sa ville et il pourra jouer dans sa ville, juste en mettant le PSD dans un répertoire du projet. On peut quasiment pas faire plus facile. En outil de modding, ça nous a pris peut-être 2 jours de taf en se basant sur les trucs qu'on a piqués sur GitHub, mais je crois que c'est ce que les devs font tous. notre but ensuite, on l'a pas encore fait, c'est de passer ce PSD dans Houdini pour faire de la génération de bâtiments et avoir la ville à explorer en 3D. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça en ce moment. Mais on va essayer d'aller un peu plus loin, juste parce qu'on est bête. Voilà. Et donc là, juste en partant d'un PSD et en ayant des digital assets déjà organisés dans Houdini, on va pouvoir générer des villes en 3D et puis permettre aux joueurs de jouer dans leur propre ville. Voilà. Ça, c'est un truc plutôt cool. Donc je vais conclure là-dessus. Comme le disait Emmanuel juste avant, voilà, plus vos outils sont bons, plus vos jeux sont bons. C'est bien placé. Quel ? Les outils. Non, voilà, enfin, j'ai pas répété Emmanuel, il a très bien dit, c'est votre plafond de verre. Vous êtes limité par ce que peut faire. Voilà, on fait pas de la Formule 1 avec une 2 dash, quoi. On peut essayer, mais c'est vraiment le mode difficile.
Un autre truc, c'est pour nos amis producers, pensez à inclure le temps de création d'outils pour vos designers, artistes, développeurs, débuggeurs, n'importe quoi. Par exemple, je n'ai pas parlé de nos outils de debug, on s'est basé sur un petit truc qui s'appelle Unity ou Trello, je crois, un truc comme ça, qui est gratos. Qui est un petit formulaire que l'on affiche directement dans Unity, c'est gratos en plus, dans la scène. Et en fait, le joueur, il clique sur ce bouton, il peut écrire un rapport de bug, ça envoie un screenshot, il peut en prendre jusqu'à 3, et ça publie directement dans notre Trello. Et nous, ensuite, on n'a plus qu'à trier si c'est un truc important ou pas important. Et voilà, depuis Unity, depuis le build, les joueurs peuvent nous soumettre des bugs qui sont bien rangés dans notre tableau Trello. Donc, inclure la création d'outils au plan de prod, quoi. Voilà, il y a du temps dédié à ça. Ça va bien sûr complètement dépendre de votre projet. Mais voilà. Un autre truc qui est cool, c'est que ça peut paraître toujours chiant et du gaspillage de créer des outils, parce qu'on ne sait pas trop s'ils vont être utilisés. Mais à chaque fois que l'on fait un outil, le prochain que l'on fera sera meilleur. Et on le fera encore plus vite. Donc à chaque fois que vous faites un outil, vous gagnez du temps sur les prochains, ce qui fait que ça réduit le potentiel de gaspillage qu'il peut y avoir sur celui-là. Et si votre équipe est statique, que personne ne va changer, bah à force de faire des outils pour une même personne, vous allez faire des outils vraiment au top de production en production. Ça, ça marche surtout pour les productions rapides. Et si vos équipes ne tournent pas. Un autre truc vraiment super important, c'est qu'avec de bons outils, c'est toujours cool de créer le jeu et de faire face au plus gros danger qu'on ait dans notre industrie, qui est la bonne idée qui arrive trop tard. On se dit « Ah putain, on aurait trop dû faire ça !» Et en fait, tout d'un coup, le jeu nous paraît nul parce qu'on n'a pas mis la bonne idée qu'on a eue trop tard. Et si on peut l'implémenter facilement, eh bien, on continue à aimer notre jeu puisqu'il représente, il y a toujours cet attrait de la nouveauté, etc. Donc voilà, pour lutter contre la fatigue, surtout en temps de post-production, on fait beaucoup d'itérations, on modifie 50 milliards de trucs parce que le jeu n'est jamais assez bien. Avec des outils qui permettent d'itérer facilement, eh bien, on peut s'éviter les grosses bastons qu'il y a des fois en post-prod. Et puis, voilà, tout... Tout le malheur que pour présenter le fait de lâcher son bébé. Donc voilà, merci. Ça va être à vous de jouer pour les questions. Donc voilà, bah, n'hésitez pas. Oula. Plus il y a de questions, moins il y a d'apéro. Je sais comme ça. Désolé. Mais je pourrais me barrer juste après avoir posé ma question. Non. Juste, donc merci, et pour savoir, pour le développement des outils que vous avez utilisés, donc Maxime et toi, est-ce que vous avez toujours réussi à dialoguer correctement ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a parfois des difficultés de compréhension, parce que les points de vue sont bien différents entre un designer, que ce soit un game designer ou un artiste, et les développeurs, et même entre un game designer et un artiste parfois, mais voilà, on a des points de vue qui sont radicalement différent et c'est pas toujours facile, de même si on a l'intention de dialoguer, ce qui est rare, de se comprendre. C'est eux qui ont commencé. Ouais, mais je te remercie pour ta question. Et effectivement, on n'a pas encore trouvé la solution idéale. C'est sûr que les premiers outils qu'on a fait, il fallait revenir plein de fois dessus parce que ça correspondait pas. Et en gros, ce qu'on se disait, c'est que combien de temps tu estimes qu'il faut pour faire cet outil, eh ben on va tripler ce temps. Voilà. Et en fait, c'était juste qu'on augmentait le temps en se disant qu'au bout de 2-3 retakes, on allait arriver au truc. Voilà, c'est juste que ça prenait plus de temps que prévu. Exactement, exactement. C'est la seule solution qu'on a trouvée. Mais avec le temps, au bout d'un moment, on arrive. Moi, j'arrive peut-être à mieux m'exprimer et être plus clair dans ce que je veux. Et Maxime est capable de mieux comprendre aussi mes idées débiles. Voilà. Salut. Salut. Est-ce que ça vaut la peine de gamifier un peu ces outils, tu penses ? Alors, on t'a vu t'exciter un petit peu sur des champignons, etc. Et ouais. Je me demandais si ça valait la peine de perdre du temps à faire ça, quoi. Alors, j'ai envie de dire oui pour moi et non pour les devs. Par exemple, je voulais gamifier un truc à la création de personnage. On peut choisir le nom du personnage. Et j'ai envie de mettre du feedback là-dessus en disant voilà. What is your name? Et si le joueur répond your name, fait haha, very funny. Si le joueur répond very funny, je fais Alt F4. Bon. Des trucs comme ça. Et bon, c'est pas trop le thème du jeu, donc on l'a pas mis parce que ça collait vraiment pas à la direction artistique, on va dire. Mais voilà, si on m'écoute, on met des outils sur tout. Donc
j'aurais du mal à... C'est cool d'avoir du reporting, par contre, à savoir combien d'items il y a, des choses comme ça. C'est des trucs qui sont cool pour la communauté, que l'on peut partager, même si les outils sont cool à utiliser, comme celui de Level Design. Tu le tweets, tu es sûr de faire des retweets qui sont cool, quoi. Et faire même des sessions live de Twitch où tu as les coéquipiers qui créent des machins avec la communauté. Il n'y a pas forcément grand monde qui va venir, mais si c'est régulier et que les outils sont cool à regarder, il y a probablement des gens qui vont venir régulièrement, et ça peut aider à fédérer la communauté. Je pense que si on a vraiment des outils qui sont cool et fun à utiliser, il ne faut pas les garder pour nous. L'idée, c'est pas forcément de devenir des créateurs d'outils, parce qu'ensuite, si on veut mettre sur l'asset store, il y a toute une partie de maintenance, etc. Nous, clairement, à Black Flag, on n'est pas des vendeurs d'outils, on ne sait pas faire un engine, on sait pas le maintenir, on ne sait pas faire du support, etc. On n'a pas envie de le faire. Mais je pense que ça peut valoir le coup de gamifier si ça fait partie du plan de com. Merci. Hello, merci. Est-ce que vous avez des outils sur lesquels vous avez passé du temps et qui n'ont pas marché ? Mauvaise techno ou pas de besoin au final ? Ouais, par exemple, quand j'ai montré Fungus un peu plus tôt, ça, on ne l'utilise plus. Et en fait, c'est parce qu'on s'est rendu compte que les joueurs, ils ne voulaient pas lire du texte dans le jeu. Donc ça, on est en train de le péter complètement. On a intégré un système de smiley. Et avec une base de données, en fait, quand j'écris un mot, ça le remplace par un smiley. Du coup, tous les personnages parlent avec des smileys. On l'a pas encore publié parce que c'est complètement buggé, mais l'idée, c'est que si un personnage rentre dans une pièce et qu'elle sent pas bon, on va avoir le nez avec une crotte, par exemple. Et ça permet en plus de s'en sortir avec la lock et compagnie, et de créer des dialogues sympas à base de smiley entre les personnages. Donc ça, en gros, on l'a complètement pété. On va utiliser plus que pour remettre des smileys, par exemple. Merci. Mais de rien. Salut. Ouais, c'est juste pour rebondir pour la question de Ed tout à l'heure. Nous, on a gamifié nos outils et ça a super bien marché. On avait un éditeur de niveau où en fait on pouvait poser des lumières dynamiques, etc. Et mon collègue il l'utilisait, mais genre au bout de 5 minutes il saturait et il passait à autre chose. Et en fait, il me disait, ouais, non, mais ton éditeur, il y a un problème, c'est pas fun, tu vois. Et donc, on a fait une connerie, c'est on a mis un petit personnage dans le jeu, dans l'éditeur, qui permettait en fait de se balader à l'arrache dans un niveau et de voir comment les lumières dynamiques réagissaient sur le personnage. Et en fait, le personnage, il était tellement rigolo à déplacer et débile que déjà en une heure, Florian, il avait fini toutes les lumières de tous les niveaux. Et par la suite, ça a été tellement drôle qu'en fait, on l'a ajouté en tant que NPC dans le jeu. Donc, ah, trop bien. Ouais. Ça va vraiment dépendre de vos coéquipiers. Hein. Moi, j'ai plutôt été élevé à la dure, donc ça va. Mais ceux qui ont grandi en se disant Unity, c'est trop compliqué, il faudra probablement des outils bien gamifiés et bien fun. J'ai fait la guerre, donc je peux manger des rations militaires, il n'y a pas de problème. Merci, la conf était super cool. J'ai une question. T'as montré d'ailleurs Landfall Games tout à l'heure j'adore tout ce que t'as dit, mais il y a quelque chose qui me fait un petit peu peur, c'est que si on va un petit peu trop dans ce délire, peut-être qu'au lieu de créer un jeu, on finit par créer un éditeur de jeu. Ouais. Et je me dis que peut-être Totally Accurate Battle Simulator qui crée, c'est ce que c'est devenu. Donc, comment on arrive à se garder la limite ? Tu parlais de tool jam, est-ce qu'il faut se réserver la création d'outils que dans ce genre de temps là, ou comment vous le gérez vous? Je peux répondre demain. En fait, déjà, je pense qu'il y a des règles à établir. Est-ce que c'est vraiment, enfin, la maxime de Black Flag, c'est qu'importe la destination pourvu qu'il y ait le voyage. Et en fait, si on se retrouve à péter complètement le jeu et à faire autre chose, en fait, c'est pas grave, quoi. Pourvu qu'on ait une bonne expérience de création, c'est cool, quoi. Y a des studios qui vont, surtout chez les studios indés, qui vont dire, hop, on est parti d'un jeu de course, on a fini par faire un jeu de football. Ouais, c'est cool, quoi. À la limite, hein, pourquoi pas. Bien entendu, dans un cadre, on va dire, un peu plus professionnel, avec un éditeur qui fait des milestones avec des trucs, il va falloir être beaucoup plus serré. Ça va vraiment dépendre de l'identité du studio, je pense. Salut.
Salut, merci pour la conf. Ça rejoint carrément ce qui vient d'être dit. C'était pour savoir précisément, peut-être toi personnellement, à partir de quand tu décides que c'est important de faire un outil ? Et parce que, comme disait la personne avant, si on fait des outils tout le temps, on ne fait plus de jeu. Et du coup, c'est quoi la limite ? C'est à partir peut-être d'un niveau de frustration de faire des tâches que du coup tu te dis bah, ça serait mieux si c'était automatisé, etc. Ou... Alors généralement, je fais ça au moment du game design. C'est-à-dire je game design une feature, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir des animaux dans le jeu ? Et j'ai pensé aux outils de génération de game design. Pour moi, ça fait juste partie du processus de game design. Et j'indique aux développeurs comment est-ce que je veux pouvoir équilibrer quelles sont les variables qui me sont accessibles sur les animaux. En fait, si on design que le front-end, en gros, ce que voit le joueur, on fait que la moitié du design pour moi. Voilà. Je voulais savoir aussi si tu t'amusais avec tes outils à faire de la génération, on va dire, random de paramètres que tu as fait, juste pour voir ce qui se passe. Est-ce que tu passes aussi par tes outils pour générer du chaos, pour t'inspirer après, pour designer des trucs ? Alors, je fais ça de temps en temps. C'est ça qui est cool avec Google, Excel. On peut très bien faire une formule qui fait, allez, tu prends toutes les valeurs, tu les multiplies par 1000. On va voir ce que ça donne. Et des fois, il y a des trucs rigolos qui apparaissent. Notamment quand on avait essayé de faire les algorithmes, de breakdown, quand les gosses, ils en peuvent plus. Et là, on avait fait un trigger beaucoup trop sensible. C'est au premier salon où on avait présenté le jeu, et il y a un collègue dans notre studio qui vient pour tester le jeu, et il ouvre une nouvelle pièce, et dedans il y a deux cadavres. Et il fait rentrer son gosse dedans, et le gosse il voit ça et il tombe en larmes. Le trigger était beaucoup trop sensible. Et là, Non, le testeur est en train de se dire « Oh non, c'est ses parents, c'est horrible !» Et là, le gosse est bloqué en dépression, il ne peut plus rien faire, il décide d'amener l'autre gosse pour utiliser l'action de consoler. Et l'autre gosse rentre dedans et bam, il s'effondre aussi. Et les deux enfants sont morts de faim. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre un message pour dire aucun enfant, enfin beaucoup d'enfants virtuels ont été tués pour faire cette conférence, mais c'est pour de faux. Je sais pas. Hop. On a qu'à dire que c'est l'heure de l'apéro. Ah, c'est une question rapide ou... Ah, est-ce que c'est une question qui peut être gardée pour l'apéro ? Ouais. Oh, bah, je crois qu'on peut libérer l'apéro. Merci.